Bonsoir les amis, comment vous allez? Là je suis sur un Volvo FMIX. On m'a appelé pour un problème de AdBlue. Donc du coup les vitesses sont limitées à 7. Dans cette vidéo je vais juste vous montrer comment installer une latère pour les Volvo. Parce que j'ai pas encore fait une vidéo sur comment installer l'illuminateur pour le Volvo FMX. D'abord, quand je mets contact ici, je vais voir ça. Bon, d'abord, il met le système défaillant, défaut de moteur. Ici, nous avons il y a des liquides de la boue. Mais il y a un problème au niveau des. Le capteur complet l'électrovent. D'abord, je vais éteindre la voilà. Avant de passer aux installations d'un illuminateur, il faut d'abord effacer le code de faux à l'aide d'un ordinateur diagnostique. Le système de traitement de gaz d'échappement, nous avons 5 défauts ici. Capteur de réduction, réservoir, voilà, pression d'air d'injection. En général, c'est toujours la partie qui injecte les AdBlue qui tombe en panne. Voilà, donc. Je vais effacer les défauts avant d'aller. Vous n'avez pas de code de faux. Maintenant, je vais passer aux installations pour l'ordinateur. Oui, les amis, c'est la suite de la vidéo là. Oui, il y avait une urgence là, j'avais oublié de laisser le travail. Donc, il fait nuit. Donc, je viens de connecter maintenant, je vais vous montrer un peu. Voilà, donc vous avez ici l'illuminateur là, nous avons la couleur jaune, verte, marron et blanc. Donc le vert là vous le mettez ici sur le pipe 1, comme vous voyez le pipe 1. Le jaune vous le branchez sur le pipe 5. Vous le branchez sur le pipe 5 et le marron maintenant vous le branchez sur le pipe 10. Le pipe 10 c'est le vert ça. Maintenant le blanc, vous le branchez sur le pipe 14. Donc voilà, il est en bas ici. Voilà. Maintenant le plus, vous coupez cette file là. Voilà. Vous coupez ça, vous connectez ça au plus. Maintenant le moins, vous le prenez à partir de ici. Voilà, ce fil blanc là. C'est ça qui est marrant. Donc voilà. Là, je vais isoler maintenant avec des scotch. C'était juste pour vous montrer. Je vais isoler avec des scotch. Donc mon appareil AdBlue doit être quelque part ici. Je vais isoler et fermer et nous allons partir voir les résultats dans la cabine. Il
Il faut bien isoler d'abord pour ne pas que les fils se touchent après. Et là, je vais fermer. Maintenant, on va me contacter pour voir. Donc, on va me contacter pour voir. Si on a la lumière ici. Je peux dire la couverture. On a les deux lumières qui allument. Maintenant nous allons partir voir dans la cabine quels sont les résultats là-bas. Normal, si c'est normal, l'aiguille de la glu devrait monter un peu. Là je vais chercher à isoler ça ici là-bas. Voilà. On va couper le contact. Faut couper le robinet là. Pour mettre. Couper, hein? Ouais, il faut mettre. Voilà. Mm-hmm. Vous voyez, la boule est venue à 50%. Ça, c'est normal. Avant, il était ici. Mm-hmm. Venait à 50%. Et même quand vous regardez le check, India a disparu. Mm-hmm. Allez, check. Fini. Nous avons le check ding ici qui s'allume. Donc là nous allons partir essayer voir ce que ça va donner. Il y a un défaut qui est là, mais ça ne concerne pas la boule quoi, c'est au niveau du moteur. Avant, il limitait à 7e vitesse seulement, donc nous allons voir si ça va dépasser.